Coucou, on est le 11 octobre et je suis avec Lottie dans la voiture qui n'est pas contente parce que elle a deux caisses et quand je lui mets cette caisse-là, celle qui s'ouvre complètement, elle sait qu'on va chez le vétérinaire. Ah la pauvre, elle n'est pas contente. Hein. C'est parti pour la douloureuse du mois comme d'habitude, injection laser, mais bon, comme on dit, quand on a un chat, c'est comme les enfants. Il faut s'en occuper, voilà. C'est dommage que ce soit pas remboursé par la sécu, c'est tout. Oui. Oh, pauvre chacha. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reprends tout à l'heure. Oh, j'ai une super mèche qui part en cacahuète. Je reprends tout à l'heure. Mais ça va pas du tout, ça. Qui c'est quoi ça? Voilà, on l'arrange. C'est plus sérieux quand même. Donc je reprends à 13h jusqu'à 21h. Voilà, bon bah on va y aller tranquille, hein, comme on a dit. Et j'ai presque terminé de tricoter les augmentations du chez Alchima. Youhou! Donc ça c'est bien, j'ai fini la page 7. J'attaque la page 8 et je crois qu'il y a la page 9 et c'est terminé. Je vous montre petite Lottie. Pauvre petite Lottie qui est cachée. T'es cachée? Attendez, je vous mets là. Je sais pas ce que vous allez voir. Une Lottie cachée sans doute. Oh, pauvre chacha. Bah oui, hein. Pauvre petit bébé. Mais c'est pour son bien. Mais le problème c'est qu'elle ne sait pas que c'est pour son bien. Mais... là, par exemple, elle avait du mal à sauter sur le lavabo, donc ça veut dire qu'elle a mal. Elle le montre pas, mais il y a des petits signes comme ça qui disent qu'il la trahissent, en fait. Et je commence bien à les reconnaître, puisque elle est dans cet état-là depuis un an et demi, voire... non, 2 ans. Ouais, 2 ans. Donc voilà, donc je sais quand elle ne va pas bien, et là... Elle est active, elle joue, elle dort beaucoup, mais c'est un vieux chat, hein, elle a 12 ans. Elle a 12 ans? Elle a 13 ans? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça, elle a 13 ans. Pauvre chat. J'espère qu'elle va être longtemps avec moi encore, mais bon, on verra. Mais le must du must, c'est qu'elle ne souffre pas. Donc, je paye. Je paye pour ça. Le fait de ne pas avoir d'enfant, voilà, je m'occupe de mon chat. Et bien, il faut bien. Je vous reprends tout à l'heure, après le veto. Je vous fais un gros bisou. À tout à l'heure. Alors, petit chat. Et voilà, elle part. J'ai décoiffé, mon Dieu. Bon, je suis rentrée. Du veto, donc voilà, c'est reparti pour un mois sans rien pour elle, et ça c'est bien parce qu'elle déteste la voiture, elle déteste ça. Ah là 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 là. Je vais pas beaucoup filmer ce matin, en fait, je m'en rends bien compte parce que je vais pas avoir le temps de tricoter du tout, même. Parce que puis j'ai plein de choses à faire avant d'aller bosser. Je pense du coup faire un vlogtober sur 2 jours. Vous aurez plus de contenu demain matin parce que j'aurai un peu plus de temps. J'ai même pas le temps d'aller faire les courses, vous vous rendez compte? C'est le problème quand on travaille d'après-midi, c'est que ça bouffe toute ma journée, en fait, parce que là, je fais 13h-21h, j'ai pas le temps. Donc, j'ai un peu tricoté ce matin, comme je vous ai dit. J'ai fini les augmentations du chez Alchima. C'est une pure merveille, je suis tellement contente. Peut-être que je peux essayer de vous montrer sur l'envers mon petit truc. Attendez, je vais aller voir. Je vais le chercher. Voilà, je suis allée le chercher. Donc, toujours dans des laines Fonti, bébé Mérino. J'adore ces deux couleurs, franchement. Quand je vois le jacquard que je suis en train de faire, je me dis qu'un pull en jacquard complet comme ça,
J'hésite à faire le dessin en gris et le reste en violet ou le contraire. Je ne sais pas ce que ça rendrait sur moi en fait. Mais j'adore, je trouve les deux couleurs elles vont super bien ensemble. Donc, vous ne verrez pas grand-chose du coup, puisque je l'ai mis à l'envers, mais voilà ce que ça donne. Oui, ça fait. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous. Voilà. Mais j'ai fait tout ça hier, quand même. J'ai bien avancé. Vous allez le voir très rapidement ce que c'est. Hein, parce que ça va se former hein, au fur et à mesure. Chaussettes, gants, mitaines. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est très très joli. Le jacquard, j'adore. J'ai une inspiration pour un début de chaussette avec ce projet qui est assez folle. Ça m'en réveille la nuit. À 2h30 du mat, je suis schlong. J'ai les yeux qui s'allument et... non. Vous entendez ce que je dis, mais vraiment. En gros, je me réveille en me disant, ouf. Mais attends, 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 ça, j'aimerais bien faire ça comme ça, avec ça comme ça. Donc voilà. Donc oui, c'est petit retour, voilà. Je peux pas filmer au boulot parce que bah, c'est le boulot, hein. Donc on ne filme pas et ça ne vous intéresserait pas. Et secret professionnel oblige, je ne vous montre pas mon boulot. Ce qui est normal. Ce soir, je vous ferai un mini résumé de mon état. Logiquement, je serai pas trop mal. Je pense que c'est dans les jours à venir où ça va être un peu compliqué parce que j'avais quand même l'habitude de travailler une journée complète. Donc, le truc, c'est que le lendemain, d'habitude, je dors. Là, je dormirai pas. Je vais refaire 13h-21h. Mercredi, pareil. Non, jeudi, pareil. Et vendredi, pareil. Enfin bon. C'est pas grave, j'attends avec impatience samedi pour faire le salon de loisirs créatif, je vais y arriver, et voir Fabienne, parce que vraiment, ça fait, je crois, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu Fabienne de Palaluna, et elle a fait des nouveaux coloris, un peu plus neutres, un peu plus peut-être qui m'attireront, bien que j'aime énormément ces couleurs flashy, mais j'ose jamais trop me mettre des couleurs flashy, ce qui est bête, mais bon. Et ce que j'aimerais aussi vous montrer, parce qu'il va falloir que je le fasse, c'est mon calendrier personnel de l'Avent pour le châle Pythagore. En fait, ce qui m'a fait penser à ça. Début la tête. Je viens de me réveiller. Coucou, on est le 12 octobre. On est le 12 ou on est le 11? On est le 12. On est le 12. Oui, on est le 12. Je vous ai pas repris hier. Non, mais non, je suis arrivée chez moi. Pyjama de dos, j'ai dit. J'ai tracé direct. Ça s'est bien passé. Fatiguée, mal à l'estomac, comme d'hab, mais. Ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai vraiment pris mon temps. Voilà. Et puis en plus, on avait une réunion de 2 heures qui coupait l'après-midi. Donc voilà. Je suis en pyjama. Vous êtes habitués, hein, dans mes vlogmas, je suis toujours en pyjama le matin. J'adore être en pyjama. Mais là, j'ai les cheveux, c'est pire que tout.
Je vais boire mon café. Ce matin, j'ai rendez-vous chez mon médecin pour faire le point. Et après, je dois aller chercher un petit colis que je vous montrerai. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je ne me rappelais plus ce que j'avais acheté encore. Ça y est, je m'en rappelle. Je me rappelle, oui. Je tricote mon châle Shima le matin en buvant mon café. Le pain d'hier, d'avant-hier, le pain d'avant-hier était trop trop bon. J'avais mélangé de la farine et du petit épeautre et vraiment, j'aime beaucoup cette combinaison. Il en reste encore un petit peu, mais pas beaucoup, parce que franchement, quand on fait du pain nous-mêmes, on a l'impression de manger du gâteau. Je ne sais pas vous, mais moi c'est ça. Et là, bah, on en a un peu mangé quand même. Mon banana bread, il reste une micro-part. Je suis même pas sûre. Non, je crois que ma mère l'a mangée. N'y a plus la micro-part, elle est partie. Bon, voilà. Donc, plus de banana bread. Je verrai si je fais un gâteau aux pommes. J'aime bien les gâteaux style gâteau yaourt avec des pommes dedans. Beaucoup de pommes. Mais ça, je verrai si j'ai le temps ou pas. Et ensuite, ben c'est tout, déjà, ce sera pas mal. Comme vous avez pu le constater, j'ai décidé, quand je travaillais, de faire, surtout quand je suis d'après-midi, parce que peut-être que mois d'octobre, ce sera terminé. Si j'ai encore une semaine d'après-midi, on verra. Mais vraiment, je fais beaucoup, beaucoup de choses le matin quand je suis d'après-midi. J'ai pas forcément le temps de faire les montages parce que c'est surtout ça qui me prend beaucoup de temps. C'est le montage en fait et l'attente pour la mise en ligne. Donc on va faire comme ça. Je vais faire des journées de, enfin des vidéos de 2 jours pour hier et aujourd'hui. Vous l'aurez tout à l'heure. La prochaine vidéo, ce sera pareil. Ce sera pour la journée de jeudi et vendredi. Parce que je n'aurai pas le temps de les monter et de les poster. Et je pense qu'il y aura moins de contenu puisque bah, je bosse beaucoup. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais un gros bisou. Moi, je vais tricoter. Et boire le café. Oui, très important le café. Heureux. Heureux. Je sors du médecin. Youpi, tralala, pouet, pouet. Je sors du médecin, on a beaucoup parlé, je la revois dans un mois pour monter un super dossier que je recule et retarde depuis un petit moment. Mais il faut le faire. Donc voilà. Pour lui parler des effets que j'avais actuellement depuis que je prenais un médicament. Et donc en fait, on a regardé les effets secondaires parce que moi, je n'aime pas regarder en fait ce qu'on pourrait avoir parce que inconsciemment, je pourrais les provoquer. Donc, je ne regarde jamais les effets secondaires. Surtout que, ben, on se rend compte que dans les médicaments, il y a beaucoup de choses qui sont néfastes. Et donc, du coup, ben, le côté rouge tomate d'un coup, transpiration abondante, etc., ça fait partie de ce médicament et ça peut être un effet secondaire. Voilà, donc j'ai un traitement. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je n'ai pas réagi, été réactive, à savoir que ce matin j'ai pris mon médoc. Hein. Bah oui, parce que je suis pas réactive moi des fois. Non. Et puis bah voilà, donc je le commencerai demain. Le seul truc qui va se passer, c'est que sans doute pendant 2 semaines, j'aurai envie de vomir. Voilà. Ça dure pas longtemps, mais ouais, j'ai à un moment donné une envie de vomir qui est pas super agréable. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Si ça peut éviter que j'ai une ménopause trop avancée trop rapidement, moi ça me va parce que préménopause à 42 ans, ça fout les boules. Même si bon. On s'en fout, hein, c'est pas ce que je préfère. Attendez, je bouge un peu, je suis désolée. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit. Mais bon. Donc voilà. Voilà. Hier, j'ai reçu un petit truc pour un adaptateur en fait, parce que j'ai acheté dans le kit que j'avais pour tenir la caméra, enfin voilà, qui m'a coûté 30 euros.
Donc ça c'est très bien. Il y avait également une sorte d'appareil flash, vous voyez, avec une lumière. Et il y avait également un micro. Et en fait, ce micro, on peut le mettre. Est-ce que j'ai un truc? Oui, vous savez, on a les prises jack. Donc c'est les anciennes prises, hein, parce que je peux dire anciennes vu qu'ils ont pondu un nouveau truc. Et mon téléphone, en fait, n'accepte que ces prises USB-C. Je n'ai plus de trou pour la prise jack. Voilà, donc alors là, j'avais des écouteurs qui ont été faits mis avec le portable, donc ça c'est bien. Mais si je veux par exemple un casque ou quelque chose comme ça, bah il me faut un adaptateur en fait, il me faut un truc entre la prise USB-C et la prise jack. Et donc j'ai trouvé ça sur internet, je l'ai reçu, je le testerai avant samedi parce qu'en fait je vais avoir besoin d'un micro samedi parce que je vais interviewer Fabienne de Palaluna. C'est vraiment sûr et certain, elle est emballée. C'est elle qui m'a proposé en fait de petite Letty bonjour. C'est elle qui m'a dit, écoute, si tu veux, pour tes vlogs, moi je t'aide, je fais un truc et tout. Voilà. Et en fait, ben, je me suis dit, bah écoute, ouais, je veux bien te poser deux, trois questions, pas trop, parce que je sais que bah, dans les festivals, elle est là pour vendre. Hein, donc, je suis dit, ouais, ça pourrait être super sympa. Et je réfléchissais en fait à ce micro que j'ai à ma disposition mais que je ne pouvais pas utiliser. Donc là, on va essayer. Je vais l'essayer dans les prochains jours avec vous. Je ferai un micro-test. La bonne blague. Oui, j'ai de l'humour là aujourd'hui. Je ferai donc un petit test pour voir si la qualité sonore est bonne parce que comme on est dans un salon fermé, il peut y avoir du bruit. Si on peut réussir à capter nos voix plus facilement, c'est mieux. Et si on peut aussi avoir un peu de lumière, bien que ce soit bien éclairé au Mythe, hein, parce que ça se passe au Mythe à Toulouse. Voilà. Mais en tous les cas, samedi matin, sans doute, on va tourner. Et vous l'aurez le soir. Voilà. Alors, ce sera des petites questions, hein, style de ce qu'elle se présente. Je ne sais pas. Pourquoi elle a voulu teindre de la laine? Quelles sont ses inspirations? Qu'est-ce qu'elle aime tricoter? Voilà. Quelles sont ses couleurs préférées? Alors moi, tout ça, je sais parce que je la connais assez bien. Mais ça peut vous aider, enfin, ça peut vous renseigner sur Fabienne, qui est une personne vraiment adorable. Et j'aime bien l'idée comme ça de pouvoir interviewer des teinturières, je trouve ça sympa. Ça me donne des idées. Ça me donne des idées pour peut-être, si l'occasion se présente, interviewer d'autres teinturières ou designeuses, pourquoi pas. Ça peut être super sympa. Voilà, à voir. Mais la première sera Fabienne, parce qu'elle s'est gentiment proposée. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai jamais fait ça, hein, je ne suis pas du tout journaliste. Pas du tout. Mais on va bien se marrer parce que avec Fabienne, on se marre toujours. Et voilà. Donc ça, c'est. Voilà, il me fallait cet adaptateur. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu. Je le teste dans les prochains jours pour voir comment ça se passe. Et voilà. Une autre petite chose. Je vais vous montrer la photo des chaussettes Aurélie de Virginie. Alors, ça fait beaucoup de prénoms. Virginie, c'est la teinturière qui est derrière sur la rive Côte-Hélène. Elle a tricoté cette paire, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Elle a créé ce patron en fait pendant le Woolen Music, où elle avait commencé un tout petit peu avant, je ne sais plus. Ce patron est juste sublime, je l'adore. Et en fait, on en a parlé la dernière fois. Et j'avais dit, ouais, quand il sort, quand tu l'as créé, quand tu l'as rédigé, vas-y, balance. Donne, donne, donne. Enfin, donne. Je le veux bien. Vraiment, ça m'intéresse. Tu me le dis, voilà. Et en fait, hier, elle m'a envoyé le patron. Voilà, donc elle me l'a donné, elle me l'a offert. Merci Virginie, vraiment c'est tellement adorable. Ce sera la prochaine paire de chaussettes que je tricoterai et ce sera les tiennes. Et en fait, je vous ai montré
mes achats derniers. Et il y a le coloris coquillage de la Madeleine qui est fait pour ce patron. Pour moi, ils vont super bien coller ensemble. Et voilà, donc je pense que ce sera ma prochaine paire de chaussettes. Et vraiment encore merci Virginie de me les avoir offert. Vraiment, c'est adorable. Voilà, je vais les tester, je vais les tricoter, je vais vous en parler, je vais vous les vendre. Mais j'ai super hâte de les tricoter parce qu'elles sont vraiment très 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 jolies. Voilà. Je ne sais pas si elles seront en vente très prochainement. Je pense que peut-être qu'il lui faut des petites modifications, peut-être qu'elle veut peaufiner son patron, peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du brut qu'elle m'a envoyé ou si c'est le format final. C'est souvent un format comme ça pour ses patrons, donc je pense que c'est un peu comme ça. Et voilà, et puis en fait, je vais voir si tout colle aussi, parce que je crois qu'elles n'ont pas été testées. Donc voilà. Et ça, c'est voilà, ça, c'est la petite chose aussi que je voulais vous dire, parce que ouais, c'était vraiment cool, quoi. Je suis trop contente de les avoir, ces petites chaussettes. Et j'ai reçu. Ah oui, alors si je vous montre non, c'est trop petit, vous aurez rien vu. Mais j'ai reçu un colis. J'ai acheté le mois dernier, ouais, j'ai acheté un puzzle. Oui, alors ça fait un moment que je veux acheter un puzzle. Ça fait vraiment un gros moment. Et là, en fait, je suis abonnée à la dernière pièce sur sa page Instagram, leur page, pardon, Instagram. Et en fait, je crois que ça doit faire 2 ans que j'ai envie de faire des puzzles. C'est un truc, bon, voilà. Et en fait, il y a deux puzzles là qui me tentaient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Le premier que j'ai acheté, et le second, j'attendais de voir comment se passait la livraison, comment ça se... Voilà, s'il y avait des couacs ou pas. Je vais me le procurer. Le puzzle que j'ai acheté coûte 22 euros. Excusez-moi, ça va faire du bruit. Alors, c'est une grosse boîte pour un petit truc, hein. Mais c'est pas grave, cette boîte va me servir de socle pour mon sapin de Noël. Voilà. Donc c'est un puzzle à 1000 pièces. Ce n'est pas un format de pièces réglementaire, à savoir, vous savez, c'est vraiment d'habitude, c'est les petits carrés avec des formes en fait. Là, il y a des grosses pièces dans le puzzle. J'adore l'idée. C'est de la marque Galisson et c'est vraiment leur marque de fabrique en fait, de mettre ce genre de grosses pièces. Et le puzzle est juste magnifique. Je l'ai vu, j'ai fait oh là là. C'est un puzzle, je pense, qui va être relativement simple parce que quand il y a beaucoup beaucoup d'unis c'est extrêmement compliqué. Là c'était un 1000 pièces, je voulais vraiment un puzzle où il y avait beaucoup de dessins différents pour que je me repère, que je me prenne pas la tête parce que je déteste me prendre la tête dans des puzzles, je veux que ce soit décontracté. Donc quand il y a plein de détails c'est plus facile de me repérer et souvent quand je travaillais à une époque, je travaillais en aide à domicile pour me faire un peu de sous à côté. Et il y avait une dame chez qui j'allais qui faisait toujours des puzzles. Et quand je faisais la poussière, quand je passais le balai autour, là, je regardais son puzzle et je lui plaçais une ou deux pièces. Et elle le savait. Je lui disais à chaque fois, je dis, ah, j'ai trouvé un truc. Elle dit, ah, mais j'étais coincée depuis, je sais pas combien de temps, merci, merci, voilà. Et en fait, à chaque fois, je passais. Et je lui mettais une petite pièce parce que j'aime ça. Les puzzles, j'ai toujours aimé ça. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et acheté. Vraiment, c'est quelque chose qui me détend. Ça prend de la place, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. Je vous montre. Il s'agit du tea time. Voilà. Et ça, c'est beau, ça. Regardez-moi ces petits détails. Le coloris, tout, c'est vraiment beau. Il propose vraiment des puzzles magnifiques. Il y a des magnifiques puzzles d'automne actuellement. C'est souvent en rupture de stock, mais on met notre adresse et c'est renouvelé. Il y a un puzzle avec des chats, j'aime beaucoup.
Et il y a un puzzle, c'est une boule de Noël. Celle-là, elle me plaît aussi beaucoup et je crois qu'elle est à 17 euros. C'est pas franchement excessif pour des puzzles de cette qualité. Alors, je vais pas tout vous ouvrir. Je vais commencer ce puzzle de toute manière dans les Vlogtober. Vous allez les voir. J'attends que ma mère parte pour pouvoir me mettre sur ma table basse parce que ce sera beaucoup plus pratique. Et vous voyez, il y a des grosses pièces. Donc vous avez les petites habituelles, mais vous avez également ces fameuses grosses pièces. Et moi, j'adore. Je trouve ça. Je vous montre un peu mieux. Vous voyez, vous avez des grosses pièces. Et je trouve ça génial. Ça, c'est bien parce que c'est pas linéaire, c'est pas fait de façon normale en fait. Et j'aime bien parce que je vais me creuser un peu plus la tête. Voilà. Donc il y a 20 pièces de puzzle assez importantes et grosses. Et après, ben, c'est des pièces tout à fait normales, basiques et lambda. Voilà. Pardon, j'arrête pas de tousser, comme d'hab. Voilà, et ouais, la boîte est très jolie. L'emballage, franchement, parfait. On commande avec Mondial Relais, c'est super. Enfin, ça met un peu de temps, puisque vous voyez, je l'ai commandé au mois de septembre. Ouais, il y a 2 semaines. C'est pas énorme, franchement, c'est pas énorme. Je pense que oui, je vais me commander au mois de novembre, quand j'aurai ma paye. Je me commanderai si il y est encore. La boule parce que vraiment j'aime beaucoup. Voilà, il y a plein de puzzles, de marques intéressantes et plaisantes. Et voilà. Bon, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, donc quand je vais travailler, je ferai plus des vlogs sur 2 jours. Donc ne vous inquiétez pas si le soir vous n'avez pas. Je vous dis de toute manière quand je travaille, donc je vous dirai. Dans 2 jours, vous aurez une vidéo. Voilà, là, c'est vrai que je ne l'avais pas prévu. Certains m'ont envoyé un petit message sur Instagram pour me demander comment j'allais. Merci beaucoup. Tout va, ça va, ça va. Ça va pour le moment. C'est dans la durée que ça va être compliqué. Je le sais. Là, je vais monter le vlog, me reposer avant d'aller travailler. Et puis voilà, je vais faire comme ça. Et ça passera. On croise les doigts que ça passe. Et voilà. Et je vous dis à dans 2 jours, du coup, vous aurez le prochain vlog vendredi pour le jeudi et le vendredi. Je vous fais un gros bisou. Ciao!